Alors moi je l'ai appris cette nuit là, 2h du matin, donc c'est vrai que ça fait un choc. Il était très présent, on le voyait beaucoup circuler dans les couloirs et jusqu'à encore il y a 5 jours, on en parlait, il était avec nous quoi, donc... Je n'imagine pas vraiment Sciences Po pour l'instant sans Richard Descoings. Malgré toutes les polémiques qu'il y a eu, bon, nous on n'était pas non plus des fervents fans de Richard Descoings, mais on est venus parce qu'on était choqués. Donc comme vous le voyez, nous sommes très très affectés, la cérémonie a été très émouvante. C'est une grande perte. C'était quelqu'un qui nous secouait. Il aimait les défis, il aimait les débats. Moi, de mon côté, je grognais assez souvent. Mais vraiment, je crois pouvoir dire que nous nous aimions, que c'était quelqu'un de très précieux. Il a profondément changé la maison. Il a complètement adapté à ce qui est aujourd'hui l'enseignement supérieur, c'est-à-dire un monde... où la compétition planétaire joue un rôle majeur.